Structure déployée. Unité menace prête au déploiement. Nous devons procéder en urgence à l'extraction d'un VIP qui travaille pour la Résistance. Le porte-parole a pu nous donner ses coordonnées, mais pour le reste, c'est à nous de voir. Trouvez le VIP et escortez-le hors de la zone. Inutile de vous dire comment vous devez traiter l'ennemi. Menace 1-5, coordonnées de la cible transmise. Protégez le VIP et rejoignez la zone pour son extraction. Advent sait déjà que nous sommes là. Votre position n'est pas camouflée pour l'extraction. Ok, je bouge. En vigilance. Je suis sur le coup. J'y suis déjà. Nous venons de capter la signature de l'assassin des anciens. Elle se dirige vers l'escouade, commandant. Vous ne trouverez nulle part où vous cacher. À vos ordres, commandant. Ça marche. Je passe en vigilance. Ok, je me dirige vers la cible. J'ai des forces d'advent en visuel. Parti. Je
échappera à ma chance. Affirmatif. Position confirmée. Des explosifs. Ils tentent de se replier. Des élus, attention! Toutes les créatures des anciens viennent me faire.
Un soldat est à terre. Relevez-le avant que les lunes le trouvent. Ça ne doit plus jamais se reproduire. Quelqu'un peut me ravitailler ? Ils nous ont trahis. Cible neutralisée. Je suis sur la réserve. Recharge mes munitions. Combien de personnes êtes-vous prêt à sacrifier pour n'en sauver qu'une seule? Nous le saurons bientôt. Ça roule. Ennemi à terre. Il meurt en guerrier. Et c'est tout ce qu'ils peuvent espérer. Thank you.
position. Les traîtres ne connaissent pas l'honneur. Personne ne passera. De nos soldats. Nous allons devoir mener un effort coordonné avec la résistance pour le récupérer. Tout de suite. Affirmatif, je couvre la zone. Je confirme. J'ai trouvé un truc. C'est parti! J'y vais. Je n'hésitais pas. Reçu! Je bouge! Affirmatif! Je couvre la zone. Aucun problème. Vigilance. Affirmatif, j'y vais.
Je vais où on a besoin de moi. Chez moi, la vigilance est innée. Je suis en route. Viens par là. En route vers la position indiquée. Scan en cours. Je me lance. J'ai attaqué à vue. Je vais vers la position. Viens par là. C'est mon tour d'être vigilant. Tout de suite. Scan en cours. Affirmatif. En vigilant. J'avance. Affirmatif, je couvre la zone. Bien, commandant. Surveille la zone. J'y vais. Je reste en observation. Ordre bien reçu. J'y vais. Je reste en observation. Bien reçu. En route vers la cible. Reste en observation. Je bouge. Déplacement tactique. Je vais faire attention. Je ferai très attention. Je vais vers la position. Bien reçu.
reçu. Beaucoup trop large. Négatif. Mon arme est vide. Je me déplace. J'y vais tout de suite. Cible abattue. Je vais me déplacer. Je confirme. Vous avez vu ça? Ennemi descendu. Rechargement. Menace 1-5, je vous préviens que des intercepteurs ennemis sont en route vers votre position actuelle. L'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée. Nous reprenons aux anciens. Plus de munitions. Je prépare mon arme. C'est tout bon. J'arrive bientôt. J'y vais. Reçu 5 sur 5.
Dégon ! Viens par là. Vers la cible. Tout de suite. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aucun problème. Il était temps! Bien compris, j'y vais. Je reste pas dans cet enfer. Je me déplace. J'obéis et droit. Bien compris, j'y vais. Je rentre à la maison. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. L'un de nos hommes a été fait prisonnier par les élus. Et je ne doute pas qu'ils lui soutireront des informations sur nous. Nous devrions contacter la résistance pour organiser une mission de sauvetage. Notre ennemi persiste à hanter les ténèbres, mettant tout en œuvre pour détruire tout ce que nous avons construit. Il veut nous ramener au chaos de l'ancien monde. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons le repousser. Unis dans l'amour que nous portent les anciens, nous vaincrons, coûte que coûte. Nos alliés de la Résistance feront tout pour retrouver notre soldat. Je n'en doute pas une seconde, commandant.
n'ai jamais vu une propagande aussi sexy. De résistants nous aideront à localiser le prisonnier si nous lançons une mission secrète avec eux. Vous savez, sans votre père, je ne serais sans doute plus de ce monde aujourd'hui. Il avait le don de réussir des miracles. Le miracle, c'était de rétablir le courant sur le Talion. Je ne sais pas trop comment il a déchiffré leur système, mais sans lui, on serait encore à moitié enterré dans le sable. Il a tout donné pour remettre le vaisseau en marche. Mais il est mort trop tôt pour le voir voler. C'est vous deux que nous devons remercier. Honorez sa mémoire en vous servant de ce vaisseau pour détruire les extraterrestres, où qu'ils soient. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Je découvre peu à peu ce que vous faites. Et chaque jour qui passe me rapproche de ce combat que vous fuyez sans cesse. Calcul du nouveau cap du Talion. Du nouveau cap du Talion. J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Je trouve pour le moins inhabituel que le sujet, souvent surnommé Allumette dans le passé, soit en fait une évolution génétique de cette créature entièrement reptilienne. Les tourelles déployées par Advent dans leurs installations et postes de contrôle sont automatisées, comme les unités mécanisées extraterrestres. Ils ont dû passer beaucoup de temps à améliorer les capteurs optiques et le système de visée, que Shen aura probablement envie d'examiner une fois le démontage terminé. L'élu appelé Assassin semble calqué sur le modèle des nobles guerriers qui jalonnent notre histoire. Ayant vu, et surtout entendu, le commentaire étrange de cet assassin, je me demande bien d'où peut venir cette personnalité. Commandant ? Nous avons remarqué que le Talion a tendance à piquer du nez quand le générateur est en charge, sans que les moteurs soient engagés. Je pensais que ça venait des stabilisateurs, mais je commence à croire que ça fait partie du projet des extraterrestres. Le noyau lui-même n'est peut-être pas complètement stable, ce qui expliquerait pourquoi ils se sont donné tant de mal pour l'isoler dans la proue. Thank you.
Commandant, un de nos hommes a été capturé pendant la dernière opération. Nous faisons tout notre possible pour le localiser et le récupérer. Nous connaissons de nouvelles tactiques à employer contre les sbires des anciens. Si vous nous leur donnez, nous les emploierons. Je vais ordonner à mon peuple de se mettre en route. Vos actions vous coûtent très cher. Vos soldats comprennent-ils vraiment ce qui les attend? Regardez. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Advent semble n'avoir aucun problème à installer des armes entièrement autonomes dans les villes et à proximité des habitants. Ça prouve bien leur indifférence. Je manque de mots pour décrire les difficultés rencontrées pour gérer cette créature, baptisée affectueusement anonyme par nos troupes. La forme nébuleuse de sa structure physique, qui comprend une couche extérieure pliable à demi-solide, semble se dégrader lentement depuis que la créature est morte. Elle dégage aussi une odeur âcre, qui semble de plus en plus forte avec le temps. Calcul du nouveau cap du Talion. Mes semblables ont oublié leur mission. Ils se laissent emporter par leur propre ambition, leurs propres jugements erronés. Leurs erreurs feront de moi l'élu des anciens. Le digne héritier de leur trône et le maître incontesté du nouveau monde de demain.
mettons le cap sur le Mexique, secteur 8. Améliore les chances de nos hommes d'esquiver une attaque et permet de se déplacer avec agilité, en plus d'être équipé d'un grappin. Souffrance.
le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Allez-vous enfin capituler devant les anciens, commandant? Nos amis de la Résistance paient un lourd tribut avec ces élus en liberté. Nous devons les éliminer avant qu'ils frappent à nouveau.